Ça c'était l'adresse de mon serveur, si tu veux savoir, tutur. Que tu vois affiché au-dessus de ton commentaire. Ensuite, tu veux que je te vienne t'aider? Bah Vince the Killer, non, je préférais être tout seul sur cette carte. Par contre, putain, je vois qu'il y a une construction là-bas, au fond, vous la voyez aussi. Là-bas, je me sers un petit verre de coca. Ouais, mon ancienne maison a été détruite, enfin détruite, elle a disparu parce que ça fait 3 jours que je me suis pas connecté sur le serveur. Comme je me suis connecté sur mon serveur, bah, niqué. Donc bon, on va aller visiter nos voisins. Hein? On va faire ça. Est-ce que j'ai de quoi faire? Putain, j'ai même pas de quoi faire. Bon, c'est pas grave, si on meurt, on meurt. Oh putain, mais j'avais tout mis dans les coffres, en plus j'avais rien récupéré. Oui, Vince the Killer, je disais, je préfère quand on jouera ensemble, quand on sera sur mon serveur. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre mon serveur. Bon, je vais le restart, hein, mais... On va baisser le son de la musique, non? Vous trouvez pas? Sur Rust, c'était plutôt... Du calme. Ouais, je suis à un endroit assez connu. Tutur340, comme tu dis, tu sais où je suis. Je suis un peu ouais, derrière les usines, tout ça. Il y a pas mal de monde qui va ici, parce qu'il y a pas mal de farms. Donc on va aller voir. Oh, il y a toujours la cabane de mon pote. Comment ça se fait? De Kera, si je me souviens bien. Ok, allez. Ah, j'ai juste mis un truc. Une seconde, hop. Ah, c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas aussi rapide que sur Wadout, hein. Tac, 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 tac. Juste une petite chose, hop. Tac. Je mets comme quoi je suis en stream. Hop, voilà. Facebook maintenant. Ça en fait du boulot, hein, tout ça. Ça en fait. Tac, 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 tac. Excusez-moi, j'arrive. Je suis à vous dans quelques secondes, même pas minutes, des secondes. Voilà. Parce qu'on m'a demandé de mettre sur Facebook quand j'étais en stream. Bah, donc je le mets. Si ça fait plaisir. C'est vrai que c'est plus simple pour vous pour savoir quand je stream. Hop. Voilà. Et maintenant je suis à vous. Hop, ça je ferme, ça je peux fermer. Vous êtes là. Allez, on est reparti. Alors. Allez, go. On va aller voir ce qu'il y a chez eux là-bas. Ça me plaît pas bien ça. Allez, se détruire un peu, peut-être qu'on va pouvoir trouver un peu de stuff. On va voir. Tu as quel âge, D1? 21 ans je pense. Tu penses, Vince the Killer. Tu sais très bien quel âge j'ai. Ouais, j'ai 21 ans, tutur 340. Et vous avez quel âge, tiens, juste pour savoir à peu près les personnes qui me regardent l'âge que vous avez. Allez, je donne une moyenne de... Oh, je sais pas, 15, 16. Moi j'ai 21, ouais. Bon, je vais en profiter pour récupérer un peu de... Ouais, il y a beaucoup de farms. Hein. On va d'abord aller voir ce qu'il y a là-bas. Ok. Alors. Donc non, c'était pas détruit, c'est ce truc qui bug comme d'hab. Je sais pas s'il y a du monde sur le serveur. J'ai pas regardé. Oh, ça c'est bien cette fenêtre, impeccable. Ça, je peux regarder dedans. Ok, on voit encore plus à travers qu'avant, j'ai un peu. Oh, vous l'avez vu lui? Stuff cuir. Intéressant. Il a de la chance que j'ai pas encore de C4. Hein. Il a de la chance. Parce que là, d'ailleurs. Oulala, attendez. Il a fait cette erreur. Non, il a pas fait cette erreur quand même. Quoique. Je tourne autour de ce truc là. S'il a mis une porte en bois en haut, il est fini.
Putain, c'est une porte en bois, ça, je suis pas fou. Bon, bah, mon gars, allez. Direct. On va se mettre tranquille et on va aller attaquer. Ok, alors, tu tues 340, tu as 14 ans, bientôt 15, ok, c'est à peu près l'âge que j'ai dit. Et les autres, n'hésitez pas à parler, hein. N'ayez pas peur, hein, surtout. Du monde va sûrement arriver, hein, sur le stream, vu que je viens de le mettre à partager sur Rust France et tout ça. D'ailleurs, est-ce que ça s'est bien mis à jour? Maintenant, c'est bien à jour. Ok, allez, hop, ça, on fait ça. Le temps, on va faire 4 piquets. Non, 2, excusez-moi. Ah, je l'ai appris dans ma vidéo, faut absolument pas faire ce que le mec vient de faire là. Hop, je peux me mettre ici, de toute façon, je pourrais me décaler. Le temps, on va se faire un petit escalier. Ouais, c'est vrai que t'es seul à parler, tu tueras, mais ça va venir, t'inquiète pas. Ils vont se décoincer. Ah bah Bousine, on n'avait pas vu écrit ce que bah, ce que t'avais écrit en fait. Donc tu as 16, ok. Hop, tranquille. Et voilà, et toi mon gars, à coup sûr. Bon bah alors là, allez, on va péter ça. Ça va être un peu long. Donc bah je vais parler avec vous, hein, le temps. Hop, on pose ça là. Il y en a pour 3 minutes exactement. Donc c'est parti, hein, 3 minutes, on met le chrono. 14 ans, Nicolas. Ok, je suis à peu près dans 15 ans pour l'instant. Je suis dans cette moyenne. Alors, faites voir tout ça, le temps. Bon, 3 minutes, on a le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Bon, autant avec quelqu'un, je me fais tuer, mais c'est pas un souci. Ok. Hop. Alors, pas beaucoup de personnes dans le chat, hein. Dommage, hein. C'est Loadad qui vous a refroidi comme ça vous a fait peur, ça vous a dégoûté ce jeu. Ah, le chat avait bugué, j'ai écrit ça aussi. G1, quand tu auras des milliers d'abonnés, tu repenseras à nous. T'es tout premier. Ah, quand j'aurai des milliers, peut-être. Mais oui, je penserai à vous, ça c'est sûr, mais en avoir des milliers, je pense que ça par contre, ça arrivera pas. C'est pas forcément ce que je recherche non plus. Sinon, je ferais que du YouTube. Alors, bon, c'est peut-être péter cette porte, non, toujours pas. Bon, c'est long quand même, tu peux. Bon, allez, on va voir ce qu'il a comme stuff, ça va être pas mal. Milliers, milliards. Ah, trop cool. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis en train d'attaquer vite fait une maison, mais c'est 3 minutes pour péter une porte, donc bah j'attends 3 minutes. Trop cool dans la place. Moi, ça fait penser à Roucool, mais bon. Roucool, c'est un Pokémon de... Un Pokémon de Pokémon d'ailleurs. Voilà ce qui se passe. Bah pour l'instant on est en train d'attaquer cette maison, hein, tranquillement. Voilà, c'est tout. Pas de grand chose à dire. Donc moi j'en profite pour regarder 2-3 trucs sur les réseaux sociaux. Hop. Voilà. Bon, allez, ça va tomber ça. Ça devrait pas tarder là. J'espère juste que le mec va pas se reconnecter. Ouais, c'est bon, ça devient bien noir. J'espère qu'il a pas mis une porte en métal en dessous. S'il a pas mis une porte en métal en dessous, il a fait la plus grande erreur de sa vie. Mais on va voir. Alors, il y a une personne de mes amis qui vient de rejoindre Rust. J'ai une petite impression qu'il va rejoindre mon serveur, bizarrement. Alors, je vois qu'il y a du monde de connecté. En plus, bizarrement, il y a une personne qui s'est connectée au moment où la... Ok. Donc, die like cheese. Si cette personne me tue, c'est qu'il regarde mon stream. J'annonce. Et je sais qui... Qui ça peut être. Enfin bon, salut aux personnes qui arrivent sur le stream, je vois qu'il y a du mouvement, on attaque cette maison plus rapidement, vite fait. Parce que le mec il a du stuff cuir, c'est toujours intéressant. Voilà, bonjour. Coucou, ça va toi? Oh. Oh, un coup de pioche dans la tête. Deux coups de pioche dans la tête. Et trois coups de pioche dans la tête. Voilà, donc tu avais rien. Comme ça au moins c'est réglé. Bon, t'as déjà ce stuff, c'est déjà ça. Tu dois avoir des trucs dans tes caisses. Ouais. Ouais, j'aurais espéré mieux, mais ça va, c'est gratuit, donc on se refait. Comme quoi, il faut persister hein, quand on tourne autour d'une maison. Hop, qu'est-ce que t'avais d'autre? Ah, t'as encore des caisses là. Ah, bah voilà! Bah c'est ça que je voulais, voilà. C'est ça, comme ça, ça c'est le plus intéressant. Voilà, ça anti-vol, ça. On va faire quelque chose. Ça, on va y détruire. Je sais même pas si on peut y détruire le lit, je pense, mais ça va être plus long. On va le détruire tout de suite, comme ça le mec il peut pas rip-hop. Ouais, vous voyez, bah on va lui voler sa maison, hein. Ouais, on va mettre des portes en métal, on sera bien.
Juste pour l'instant. Après, on se décalera parce que le mec va sûrement vouloir se venger. Voilà, déjà, ça, c'est pété. Maintenant, à ça. Ah, pauvre gars. Mais fallait pas mettre une porte en bois en haut. Ne jamais laisser une entrée en bois parce que n'importe quel vicieux trouvera le moyen de rentrer. Comme moi. Là, et voilà, c'est bien ça. Donc ici, t'avais rien mis, c'est pas bien ça. Là non plus, c'est pas cool, c'est pas gentil. T'aurais pu me laisser un peu plus de trucs. Bon, ça, je t'y récupère. Là, je vais péter son lit et tout parce que j'ai peur qu'il. Oh, mais oui! Mais je dis oui! Je dis oui! Hop, hop. On prend ça en main, si jamais il y a besoin. Bah voilà, très bien. Une meilleure que la mienne. C'est pas beau ça? Tu travailles dans quoi? Ah, c'est un QCM là que vous me faites passer. Je travaille dans EDF en gros. Voilà, je travaille chez EDF. Enfin, ouais, voilà, c'est plus simple à dire. L'électricité. Et vous travaillez? Il y a des personnes qui travaillent ici? Non, vous avez un âge moyen de 15-16 ans. Vous devez être en cours. 16 ans, c'est quoi 16 ans? C'est le lycée ça? C'est le début du lycée? Si je dis pas de conneries. Donc voilà, bah. Oh, bah voilà, c'est ça que je voulais aussi. Et bah, je suis refait là. Merci à. Bah, je sais pas comment il s'appelait, hein, mais il est mort. Toutes les armes, c'est ça. Toutes les armes du jeu. Merci. Merci à lui. Il faudra le remercier si jamais il regarde le stream et que c'est un français. Bah, merci à toi. Mais il fallait pas mettre de porte en bois aussi, hein, c'est bien. Ok. Ah, bah, si je meurs là, j'ai même aucun remords du coup parce que. Parce que c'est tout pas à moi. C'est tout un gentil. Oh d'accord. Oh là là, car. Ah oui, mais le papier maintenant il est un peu useless parce qu'il sert un peu plus à rien. Bon, ça on jette, hein, ça sert à rien. Bon, profitez pour. Hop. On va tout récupérer, hein. On va pas en laisser une miette. Sauf ça, on va y laisser. Ça, je pourrais y laisser aussi, mais. Hop, du papier. Ah, des balles pour la M4. Yes. Ça c'est cool. Oh, des pioches. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Il va falloir que je jette quelque chose hein, de toute façon. Ça on va y jeter. Ça on va y récupérer. Qu'est-ce qu'on va lui voler d'autre? Bah tout, de toute façon on va tout lui voler. Donc, mais, je vais me servir de son feu. Ouais, je vais me servir de son feu. Il est sympa jusqu'au bout. Hop. On fait pas les choses à moitié. Mince. Et c'est vrai qu'on peut pas splitter à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Et, tac. Ouais, tu vas me donner ça. Par contre, là, n'importe qui peut rentrer, du coup, par la porte que j'ai ouverte. Ok. Moi, j'ai l'eau du C4 tout à l'heure. Oh putain, ça, c'est Skipix. Salut, Skipix. J'ai oublié de te dire salut. Je me disais aussi, je te connaissais pas. Alors, trop cool. Moi, j'ai 18 piges, mais je suis en fac de médecine. Je travaillerai pas tout de suite. Effectivement, en fac de médecine, tu vas plus en plus aller boire de la chartreuse dans les soirées médecine le jeudi soir qu'aller travailler. Mais bon, ça, c'est que mon avis. qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va lui laisser ses pioches. De toute façon, le mec, il est mort. Il a plus de lit, il a plus rien. Donc, hop. Voilà, bon, on est bien. Voilà, comme quoi fallait bien aller chercher chez nos voisins. Hein. Ils sont gentils, nos voisins. Ils sont toujours sympas. Ils partagent et tout ça. C'est bien, le partage, c'est la vie. On va aller voir chez d'autres voisins. J'ai une idée où je vais aller. Chez RK et Corba, là. Ils sont sympas, eux aussi, normalement. Du coup, on va acheter l'arc. Hein. Et ouais, le bois, j'ai envie de le récupérer, par contre. Guilhem. Ben, ça on jette, ça sert à rien. Ça on récupère, ça on va lui laisser. Voilà, allez, on se casse. On va aller cacher tout ça. Hein. Voilà, ça c'est plutôt cool. Ok, et voilà, merci à toi. C'est trop gentil de ta part. Allez, on retourne se cacher, on sera bien. Alors laisse les pioches de toute façon, c'est chez toi. J'irai dormir chez vous, version Rust, c'est ça. Bah, le mec il est pas sympa parce que. Si dans J'irai dormir chez vous, il mettait des coups de pioche dans le crâne des mecs, bah. Je pense pas que. Enfin, si, je pense qu'elle marcherait bien l'émission. Encore, peut-être même encore mieux. Ça, c'était chez mon pote, ça. Que j'ai méchamment pillé. C'était pas gentil quand même. C'était pas cool. C'était pas cool. Alors, J, en fait, ce que tu fais, c'est de l'électrotechnique parce que ma mère veut me faire faire ça, mais j'ai pas envie. Bah, c'est exactement ça, Bouzid57. J'ai un BEP électrotechnique, bac pro électrotechnique et un BTS électrotechnique. Donc, 6 ans d'électrotechnique, je peux te dire que. Voilà. Ça explose là-dedans.
Mais non, mais c'est bien l'électrotechnique. C'est bien. Allez, là on est full stuff, merci. Putain, j'ai pas pu voir son pseudo, c'est vrai qu'on peut pas le voir quand il est déco. C'est beau. Rien que d'y voir comme ça, je. Voilà, c'est bon, je suis refait. Du coup, où est-ce qu'on va aller se cacher par contre? J'hésite, pas ma cachette secrète parce que je sais qu'ici dans ce serveur quelqu'un la connaît, bizarrement. Donc je vais pas me remettre au même endroit, je vais voir. Ué galerie, c'est ça, Ué galerie. Ah, parlez-moi pas de ça, je suis en jeu là, je suis pas dans l'électrotech là, non, arrêtez. En plus maintenant je suis au travail depuis cette année, je ne parle plus de cours, ne m'en parlez plus. Ah oui, c'est vrai que toi ça sera un bac pro au bout de 57 parce que les BEP n'existent plus. C'est vrai. Donc on va se remettre. Non, on va. Alors faut que je me dépêche par contre de trouver un endroit où me mettre tranquille pour être safe, pour être bien. Ah, ici j'ai mon sleeping bag. Déjà on va faire un truc. Hop, tout de suite. Craft. Wood storage. On va en faire deux. On va se mettre ici tranquille. On va se poser un petit wood storage ici. Juste pour le conserver le temps qu'on va aller fouiller nos autres voisins. Ça sera pas mal. Putain, mais il coule lui, n'empêche. Une maison, il laisse une porte ouverte au-dessus. La blague quoi. Oh. Voilà, comme ça il y aura de la place. Faut que je jette des trucs du coup. Pff. Oh allez, le sang, ça sert à rien, le sang, ça pue. Hop. Tac. Tac. On va poser un peu tout ça là. Ça en fait hein, du stuff là quand même. Trouver comme ça, comme quoi faut vraiment pas hésiter à se promener sur la carte et aller fouiller les maisons, aller péter leurs portes, tout ça. 3 minutes pour péter une porte, donc ça va, 3 minutes pour récupérer tout ce farm, je pense que c'est rentable, c'est plutôt rentable. Tac, on pose toutes ces pioches, ça sert à rien, on en garde une seule, on a trop d'armes là par contre. On va regarder les trucs qui servent à rien comme ça avec nous, on va poser. J'hésite, ouais, on va poser cette arme, on va poser celle-ci, on va récupérer celle-ci, et là on va. Non, on va plutôt poser ça. Ouais, voilà, là c'est bon, on a ce qu'il faut. Là on est bien, là on peut mourir sans pleurer. Question, quelle est votre matière préférée entre maths et français? C'est quoi ces questions, les gars? Arrêtez de parler de cours là, vous êtes. Quelle heure il est? Il est 22h40 du soir, vous pensez au cours. Arrêtez, demain matin vous allez vous lever à 7h du matin pour y aller en cours. Vous aurez le temps d'en parler. Mais sinon, préféré français. Parce que les maths j'en ai marre et parce que français, ma prof était, comment dire, sympathique visuellement. Voilà. Tu as ta réponse pour moi. Allez, on va aller chez nos potes là, Ekra et Ferma. En plus là on a la lampe, ça sera parfait pour vous. Math et dessin. Très très drôle, Tutur 340, très très drôle, si c'est pour le jeu mot maté dessin, c'est très drôle. La vieille fin de... Je pense que personne n'a compris, maintenant que je le dis ici, mais... Moi c'est la bioéthique médicale, oh le mec qui fait genre, moi c'est l'électrochimier de la physiologie de... Hein, voilà. Bon, ici il doit y avoir du monde normalement, trêve de plaisanterie. Mettons-nous aux choses sérieuses, c'est-à-dire le jeu Rust. Alors, ils sont où, mes potes? Ils doivent être... Ah, ils sont ici. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, là? Bon, on va aller voir ce que c'est, ça. J'espère qu'ils m'ont laissé une petite entrée comme l'autre. Ça serait sympa. Salut, Hugo Ring. Ah, bah, c'est dommage, t'arrives 2 minutes après un pillage. Bah, d'ailleurs, j'ai rangé tout mon stuff. T'arrives 2 minutes après un bon petit pillage. Mais alors, un bon petit pillage, hein. Alors, tu vas jouer un peu sur ton serveur. Bah, pas ce soir, Vin the Killer, mais oui, sinon je vais beaucoup y jouer. Je rigole comme un débile. Alors, G, à moi, c'était ma prof de sport. Ouais, bah, une prof de sport en général, c'est toujours sympathique. voilà, c'est parti, allez, ça parle des profs. Je rigole comme un débile. Ouais, je comprends, vu ta faim, tu peux rigoler comme un débile. Par contre, ils sont connectés en même temps que moi en général, donc je vais faire gaffe. Même si j'ai posé mon stuff, ça serait plutôt sympa de pas mourir. Bah, écoutez. Pas l'air d'avoir du monde. Non, ça a l'air de le faire. J'ai l'impression d'être un cheval, encore une fois, à chaque fois que je marche là-dessus. Donc ils sont là. Vous les voyez. Tous les deux. Les deux copains, là. Ici et ici. Putain, il a un casque en Kevlar. Oh, oh non.
Ils m'ont pas laissé d'entrer, je parie en plus. Ni sur le toit peut-être. On va voir. S'ils font tous cette erreur à force. Non, ils ont pas l'air de m'avoir laissé d'entrer. Putain, j'ai pas de C4 ni rien, c'est dommage ça. Oui, Uring, il y aura moyen de me rejoindre cette semaine. Bah hier, si tu aurais été connecté, il y a beaucoup de personnes qui m'ont... Enfin, beaucoup de personnes. Toutes les personnes qui voulaient ont pu me rejoindre sur mon serveur. On a fait une arène improvisée. Donc voilà, il y aura pas de souci pour cette semaine pour me rejoindre. Quand je referai sur mon serveur, peut-être demain. J'ai envie d'aller voir sur... En fait, s'il y a des toits. J'ai pas gardé mes planches, bien sûr, bah oui. J'ai pas gardé mes planches. Par contre, vous voyez, il y a des bouts de bois là qui commencent à se détruire. Est-ce que les grenades, on peut les faire là? Parce que si je peux faire des grenades, je pourrais détruire. Mais je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Je ne peux pas faire de grenades. Pourquoi j'ai cru qu'on pouvait faire des grenades? Je ne sais pas. Ah, c'est dommage. Arrêtez de parler d'école, j'en ai marre. Tu as raison. Moi aussi, j'en ai marre de l'école. Ah ben non, je suis plus à l'école. C'est bon ça. Bon, on va aller voir au-dessus vite fait s'il n'y a pas une entrée sur leur toit. Et ben non. Et ils ont fait la fameuse tour, putain. Alors ça, vous voyez cette tour là qu'ils ont fait avec les piliers là, un seul truc de pilier, c'est Millennium. Ça, c'est Millennium, le guide de Millennium, le plagiat de Millennium, qui explique comment créer une base comme ceci. Alors que pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout, c'est dégueulasse comme base. Moi j'ai juste à, là, à mettre des escaliers et hop, je saute, comme j'ai montré dans mes vidéos pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc ça c'est dégueulasse, ça c'est pas beau, ça c'est berk caca. On va aller chercher du coup, comment on va faire, comment on va se débrouiller. Ça, je peux pas détruire ces murs. Là je vois, putain, ils sont presque morts en plus les murs. Oh là 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 là, ça dégoûte quoi. J'hésite, je suis en train de réfléchir comment je pourrais me débrouiller. J'aimerais bien trouver du C4 quoi, mais... Alors, il y aura moyen de rejoindre cette semaine en fait. Oui, arrêtez de parler d'école. Il y a des fenêtres, tu peux entrer si tu fais des escaliers. Il n'y a pas de fenêtre. Hein. Drazer94, je ne suis pas fou. Je n'ai pas vu de fenêtre hein, du moins. Et tout à l'heure j'ai vu une porte, je suis d'accord. Mais là, je vais revérifier, mais... Je suis pas fou, j'ai pas vu de fenêtre. Vous non plus. Ouh, putain, je les ai déjà pillés une fois, eux. Les pauvres. Ils vont en avoir marre, c'est mes souffres-douleurs. Non, j'ai pas vu de fenêtre. Je ne pense pas. Alors, Edgy1, tu te rappelles, on jouait à WarZ avec Panda sur son vieux mumble. Oh putain, je me souviens que je jouais à WarZ avec Panda. Oh putain, oui, il y a des fenêtres. Oui, je les avais pas vus. Ok, impeccable. Alors, et ben voilà, parfait, je sais ce que je vais faire. Allez, on va chercher mes planches. Merci, Brazer94. Moi, je suis passé devant comme un débile en parlant un peu trop. Et j'ai pas vérifié, donc ça va le faire. Parfait. Alors, je crois plutôt qu'ils sont solidaires avec toi. Ils veulent laisser leur stuff. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Mec, ils se disent, bon, allez, il est sympa, on va se laisser tuer. Et on va tout lui donner. Ouais, go escalier, je vais les chercher là tout de suite, justement. Je vais chercher dans mes caisses. On va refaire un deuxième pillage, ça sera pas mal. Alan, oui, je me souviens plus de ton pseudo, par contre, je t'avoue. Mais je me souviens bien que je jouais anciennement à WarZ, ce jeu de merde, je le rajoute. Sur le Mumble à Monsieur Panda, comme tu dis. Exactement. Non mais vas-y, continue de sauter comme ça, tu vas finir par mourir, G1. Oh putain, mais quel con! Je vais vraiment finir par mourir en fait. Ah, Wax, bah oui, je me souviens de toi, la nouille. Je me souviens de toi. Allez, vas-y. Ouais, t'arrives au bon moment, trop cool. On va aller piller encore une deuxième maison, mais cette fois, ça n'a rien à voir. C'est une grande tour. Est-ce que j'ai peur? Ah, ce qui est même presque sûr d'ailleurs. D'ailleurs, ça va être chaud parce que si je peux pas en ressortir, on va voir. Ce que je pense, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ils ont mis des portes en métal et du coup je vais pas pouvoir descendre. S'ils ont suivi exactement la maison de Millennium, ça va être chaud. Mais on va voir. Bon, déjà, j'aimerais bien. Allez, s'il te plaît. Je vous mets la lampe, hein. En vrai, faut pas le faire. Hein. Mais je vous mets la lampe pour que. Voilà, c'est bon, merci. Pour que vous puissiez voir quelque chose, quoi. Voilà, je fais le tour complet. C'est ici chez moi, non? Oui, ça doit être là. Ouais, c'est là.
Enfin, chez moi. Mon pauvre sleeping bag et mes pauvres caisses, quoi. Qui se trouvent ici. Elles sont belles quand même, je trouve. On récupère ça. On craft tout de suite. Alors, il nous faut une fondation déjà. Non. Si, bah si, si, si. Il nous faut une fondation, forcément. Il nous faut des piliers. Il nous en faut 4. Non, pas 4. Aïe, j'ai pas avoir assez là, peut-être. On va voir. Alors, au pire, on ira farmer vite fait. Hop, c'est 4 étages. Ouais, merci, Vince the Killer. Ça serait dommage de mourir à ce moment-là. Pourquoi G1 comme pseudo? Je vais mettre un FAQ, je pense. Cette question, j'ai pas mal. Alors, c'est tout con, c'est dégueulasse, hein, d'ailleurs, la raison. En gros, je m'appelle Jérémy, de base, voilà. Donc, JER, les trois premières lettres. Et un jour, sur un flipper, donc. Oh, putain, faut que je fasse un workbench. Sur un flipper, j'ai. Tu sais, quand tu gagnes sur un flipper ou quand tu gagnes un certain nombre de points, tu dois mettre. Attends, une seconde. Je suis concentré. Hop, hop. Tu dois mettre trois lettres pour identifier ton nom. Tu dois mettre trois lettres sur le flipper. Et comme JER, GR, ça faisait moche, et bah, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre JEE. Et depuis, c'est resté, tout simplement. Et après, le THE et le ONE, bah, ça, c'est parce que j'étais un kéké des plages et bah, j'y ai gardé. Voilà. J'espère que t'as ta réponse. Le workbench, je crois pas que je puisse le poser. Si je peux le poser. Hop, maintenant, il faut que je crée. Et putain, ouais. Ça va être chaud. On va essayer de se débrouiller autrement, sinon on va. Ouais, non, mais de toute façon, faut que je les fasse. Voilà. Et ouais, on n'a pas plus de bois que ça. Bon, on va voir comment on peut faire. On va trouver un moyen, on va trouver une solution. Alors, pourquoi G1 ils ont mis des fondations. Bah, tant pis, j'en ai refait, on verra. C'est bien, en fait, tu gagnes pas mal de viewers depuis 2 semaines. Ouais, c'est cool. Bah, en même temps, je fais pas mal de. Je fais pas mal de stream aussi. Oula. Allez, on retourne chez eux. Oh là là. Putain. C'est long, par là. Les kékés des plages, putain, ça m'a tué, c'est ça. Pas besoin de la workbench. Je sais pas pourquoi j'ai fait une workbench, hein, je sais, à la nouille. Hein. Quand je l'ai fait, je me suis dit, pourquoi je l'ai fait? Je sais pas. Mais bon, elle est faite. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai faite. Et putain, vous voyez rien. Si je cours, vous voyez plus rien, quoi. Alors, faut que je fasse comme ça, sinon. Hop. Voilà, comme ça. Comme ça court. Et vous voyez quand même. Très bien. Ah, sauf que ça fait bugger mon PC. J'appuie trop de fois sur la touche. Allez. Oh là là. Moi et les montagnes. Ils sont où? Non, ils sont là-bas. On va passer par derrière, alors. Ok. Allez, vois qu'il y a pas mal de personnes sur le stream. Alors attends, y a-t-il une mise G1? Une mise. Que dis-tu? Où est-ce qu'ils sont? Je les vois plus. Ils doivent pas être loin, mais où? Vivement que le jour revienne, hein. Ça c'est assez embêtant quand y a pas le jour. Mince, je les ai perdus. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. On va éviter de se suicider aussi, ça serait bien. Je vais aller farmer du coup pour. Enfin, tu as une raison pourquoi tu n'as pas fait de base. Bah en fait j'avais fait une base, hein, Goring, mais elle a disparu parce que je suis allé sur mon serveur pendant 2 jours. Et du coup bah ma base en 3 jours bah elle a disparu tout simplement. Ah, y a-t-il une Miss G1? Oui, il y a une Miss G1, désolé, tu joues 340, tu ne pourras pas prétendre. Salut Chai 1310B. Plus d'assez pseudo, les gars. Bon, je vais aller farmer le temps. Bon, je fais ça, hein, c'est juste pour que vous puissiez avoir un peu de lumière. Hein. Je vais aller farmer le temps, parce qu'il me faut un peu de bois de toute façon pour pouvoir les envahir. Culture, tu faisais pas du Altis Life. Peut-être que. Ouais, d'ailleurs, tu m'en as parlé, je crois. Culture, je sais plus. Non, peut-être pas en fait. Là, je mets la lampe, mais c'est pour vous. Hein. En vrai, je la mettrai pas. Hein. Je vous le dis. Hop, allez.
Allez, on prend ça. Alors, j'en profite que tu sois en live pour te poser une question. Ayant une base en métal, vaut-il mieux des fenêtres avec des barreaux ou des portes en métal servant de fenêtres? Je trouve difficile de tirer à travers les fenêtres avec des barreaux. Alors, si tu as le choix, si t'as beaucoup de métal, fais des portes. Même si les barreaux sont largement plus sympas, je trouve. C'est plus joli, c'est plus tout. Les portes en métal sont largement plus solides, quoi. Enfin, largement. Ils sont plus solides et ils peuvent pas tirer à travers les barreaux, c'est surtout ça, ouais. Mais bon, c'est vrai que ça fait dégueulasse les pleins. Voilà, j'adore ça. J'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris ce bug. Mais je le trouve magnifique. Voilà, comme ça vous le voyez comme moi. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais. Mais voilà, c'est complètement bizarre. Je sais pas ce que c'est, hein. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est pas fait exprès. Voilà, c'est un truc trop bizarre. Je sais pas si c'est la première fois que vous le voyez, vous aussi ou pas, mais enfin voilà quoi. Voilà. Très bien, au moins comme ça il est bien en vidéo. Parce que j'étais soi-disant le seul à le voir et bah non. Voilà, donc j'espère que vous l'avez bien vu comme moi. Hein. Voilà, enfin bon. Allez, on continue à farmer pour aller les attaquer. Tout cas, ça fait joli ce truc dans le ciel. Donc là, est-ce que j'ai assez pour aller les envahir? Je sais pas. C'est quoi cette lumière là? Alors hop, on va faire ce que j'avais dit, wood plank maximum. C'est d'aurore boréale, ouais c'est ça ouais. Putain d'aurore boréale, ouais. Sauf qu'elles sont pas vertes quoi, elles sont bleu brillant. Effectivement j'avais déjà observé ça, le vortex du néant distordu de Rust. C'est un bug, c'est lié au changement de luminosité des nuages nucléaires. Ouais, c'est un bug mais je trouve ça bien, n'empêche. Ça rend bien. Donc on va faire encore. Putain, ouais, ça revient vite. De toute façon, on va falloir trois escaliers, ouais. Non, peut-être deux. Peut-être une idée. Comment je vais pouvoir me démerder? Ouais, j'ai peut-être une idée. Alors, on appelle ça des artefacts. Non, c'est pas des artefacts, Hugo Ring. Parce que les artefacts, c'est plus des petits traits dans tous les sens. Ça, c'est pas vraiment un artefact. Mais oui, mais c'est les aurores boréales, sérieusement. Bon, peut-être. Je sais pas si c'est elles sont censées y être ou pas, mais. Elles sont bien faites en tout cas. Alors, il faudra encore un comme ça. Il faut encore que je farme. Il faut encore que je farme. Allez, je vous remets la lampe. Même si le jour commence à revenir. J'espère qu'ils vont pas se reconnecter, c'est tout. Et s'ils se reconnectent maintenant, bah, je suis un peu blasé. Ils sont tranquilles chez eux, les pauvres, avec leur chapeau en Kevlar et tout. Ça, c'est bon, ça. C'est bon pour moi, ça. Du farm, du bois. Du bois, un loup. Putain, il va me faire chier le loup, c'est sûr. On va le contourner. On va le contourner, on va prendre le bois qui est là-bas. Tiens, j'ai une question pour vous, juste pour savoir, pour tous ceux qui sont sur le chat. Vous avez trouvé le. RJ, tu referas des concours, Russ, parce que j'adore ce jeu. Oui, je vais refaire un concours parce que le jeu sur YouTube a pas été gagné, donc ça sera un giveaway, un moment au hasard. Quand tu auras des personnes sur le stream, je ferai un slash round. Et une des personnes sur le stream gagnera ce jeu Rust. Donc oui, je vais en refaire. Donc là normalement je devrais avoir assez de bois, je pense. Allez, on va aller rejoindre les deux poteaux là. Faut aller les piller. Oui, je disais, j'avais une question pour vous. Par où vous avez connu mon stream? Juste pour savoir si c'est par ma chaîne YouTube, si c'est par Facebook, si c'est par Rust France ou autre chose, juste pour voir un peu le truc quoi. Si vous pouvez me répondre, c'est cool. Savoir ce qui marche le mieux quoi. Là où ma pub marche le mieux plutôt, voilà. Alors, allez. Je vais bientôt pouvoir éteindre la lampe normalement. Maintenant, non, pas maintenant, vous êtes 57, je ne fais pas le concours maintenant. Ça sera un moment dans. Peut-être dans la semaine, ça se peut. Haha. Peut-être que j'annoncerai un jour, il faudra être là à une certaine heure, j'irai pas l'heure, enfin on verra. Faut que ça se mérite quand même. Attends, t'as déjà gagné un jeu, Bouzid, tu vas, hein? Oh. Parce que Bouzid, pour ceux qui ne le savent pas, a gagné sur mon concours, a gagné Daisy. Daisy, voilà. Alors, ouais, c'est là, j'allais dire ça a disparu ou comment ça se passe? Eh, je me casse la jambe ou pas? Non, c'est bon. Alors, Twitch, je rust.
Ah ok, Drazi94, bon bah tant mieux alors. Hein. Pourtant je pensais que ça marchait pas très bien depuis que je te suivais avec Panda et tout. Tout, t'as vu ça date. Dak, ok. Wow X. Je me souviens de toi maintenant avec le pseudo et tout. Je sais, je cherchais pour un guide et je t'ai trouvé. Ok, je trouvais au hasard sur Twitch, je cherchais des vidéos sur Rust. D'accord, bon bah comme quoi en fait pour l'instant le mieux c'est Twitch. Bon bah comme quoi le site fait bien son travail tout seul. Donc je vais passer par. Ah j'hésite, vu que là il y a déjà une fondation. Ah mais j'en ai déjà fait une fondation donc ça s'en faudra que j'utilise. On va la mettre où? Faut qu'on se mette bien en face. Ici, hop. Par contre ça se peut que je fasse plusieurs essais. Hein. En gros que je saute et que je meurs quoi. Donc ensuite, on va mettre nos piliers. Ça si les mecs reco parce qu'en général ils sont connectés en même temps que moi. Peut-être que ce soir ils ont pas envie de se connecter, ça serait bon ça. Tac. Oui. Effectivement, j'en ai largement pas assez en fait. C'est pas grave. On va mettre ça là. Hop. Woodplank. Alors, en fait, moi j'allais sur YouTube et je me souvent Rust FR et je t'ai trouvé. Ok, bon bah d'accord, il y a moitié YouTube, moitié Rust. Jamais de chance avec le random chez moi, ça se trouve, il n'y a rien dedans. Si, si, il y a des mecs dedans. Je les ai vus justement. Donc il y aura forcément quelque chose, mais le souci c'est que j'ai peur qu'ils aient mis des portes en métal dans tous les sens. Je pense pas, parce qu'ils avaient pas l'air très. C'est pas méchant, hein, c'est vrai. Si je les ai déjà tués plusieurs fois en fait, si vous voulez savoir. Ceux qui étaient sur les anciens streams, enfin sur les streams précédents, vous l'avez vu. Putain, il va me manquer hein, encore. Hein. Oh putain. J'ai essayé un truc que j'ai jamais essayé. Bon, non, je pense que c'est pas possible. Peut-être une idée. Là, est-ce que si je mets un ceiling plus une rampe? Non. Non, c'est. Non, c'est complètement con. J'allais dire un ceiling plus une rampe là-dessus. Mais non, en fait. Que si je fais ça, je nique la game, comme on dit. Ah, parce que j'ai assez pour faire un ceiling en plus. Bon, bah on va les refarmer un peu, hein. Tant pis, hein, de toute façon, faut ce qu'il faut. Hein. On va les farmer encore deux stacks de bois, et ça le fera. On va essayer de se dépêcher, par contre. Alors, et ta BF4? Oui, j'ai BF4 à la nouille, mais ce jeu m'a saoulé, en fait. J'étais tellement refait de Battlefield que le 4 m'a pas plu du tout. Tu es sur ton serveur? Non, Azerix, je ne suis pas sur mon serveur. Oui, c'était vraiment des victimes. Oui, voilà, Goring, tu t'en souviens. Ouais. Et ouais, pour Battlefield 4, bah, pour ceux qui me suivaient pour Battlefield, bah, voilà, j'arrête Battlefield parce que je referai peut-être des streams dessus, mais pas plus, quoi, parce qu'il m'a vraiment saoulé, en fait, ce jeu. Par contre, Titanfall, par exemple, je vais y jouer, ceux qui veulent savoir, mais juste pour le fun, comme ça. Loadout, que je jouais juste précédemment. Ça, un peu. Pas un peu plus de bois, là. Bon, on va craft déjà ça. Pour l'instant, on a de la chance. Tous les mecs qu'on croise, ils sont en mode dodo. On va éteindre la lumière. Vous avez assez de lumière maintenant. On va essayer d'éviter de se faire repérer. Ah, bah, c'est là où j'étais hier quand je faisais le gros bourrin avec les voitures. C'était exactement ici. C'était exactement ici. Il me faudrait encore. Alors que je me trompe pas. Un pilier. Ah non, il me faut plus. Un peu plus quand même. Ouais, il me faut encore 4 piliers. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Alors, garde ton bois. Ouais, je me rappelle le 3, tu avais fait pas mal de vidéos dessus. Ouais, le 3, ouais, j'avais fait. Bah, c'était le principal de ma chaîne en fait. J'avais fait des vidéos que sur Battlefield d'ailleurs. Mais cette époque est révolue. Maintenant, c'est Rust. Vu que le jeu n'a que 10% de son contenu selon Gary. C'est plutôt sympa, je trouve. S'il y a encore 90% de contenu à ajouter, ouais, je trouve aussi qu'il y a à faire encore, de toute façon, sur le jeu. Hein. Il peut rajouter des trucs, il peut y aller. Hein. Pouf, il peut rajouter des. Rien que la voiture.
Voilà, la voiture est disponible. Je vois qu'il est en train d'améliorer. Genre, la destruction avant, elle disparaissait tout simplement quand elle était détruite. Maintenant, les roues s'envolent et tout. Même si elle n'est pas disponible, il travaille dessus. Donc, je pense qu'elle ne serait tardée pour les admins. Et ça, c'est top. Ça va bien me faire rire. Alors, vous avez vu ma lampe qui a bugué ici. Voilà, ça arrive des fois. Ça peut vous faire des spots. Si on trouvait le moyen de la faire bugger tout le temps, on pourrait faire des spots comme ça. Et les autres ne la voyaient pas. Il n'y a que vous qui la voyez. Donc, ça, c'est un bug. Vous pouvez voir vos ennemis en mettant des fausses lampes. Normal quoi. Alors hop, de la wood plank encore. Allez, c'est parti. Ah, beaucoup de voitures. Ouais, j'ai un peu abusé hier. Hein. J'ai, je sais pas, peut-être 1000 voitures. Bon, G et tout le monde, ma mère arrête pas de gueuler donc je dois y aller demain. Bon, bah salut Bouzid57. Bon jeu sur Days encore hein, pour le jeu que t'as gagné. Sinon, à demain. Entre un jeu à 70€ qui dure 10 heures et Rust à 18€. Voilà, tout est dit. Sick pics, comme tu dis. Tout est dit. Il y a un autre jeu que j'ai acheté pour vous dire que je vais faire des vidéos dessus en mars. Ça va être. C'est juste pour le kiff. Je sais pas si vous en avez entendu parler. South Park The Stick. Enfin, le bâton de la vérité. Voilà, j'ai juste vu des vidéos. J'ai dit, ça peut être énorme. Donc, je ferai sûrement un peu de stream dessus. Comme avec Loadout. En fait, je fais moitié ça, moitié Rust. Mais Rust, ça reste mon activité largement principale. Quoi, 90%. Bon, je tourne en rond là, comme un con. Et là, je retourne en rond encore une fois. Bon, on va faire le tour. Voilà. À mon avis, on a qu'un dixième de la map en plus. Il travaille sur une autre map. Ouais, ouais, ça, il travaille sur une autre map, ça fait longtemps. Bah, ça se voit, c'est là, il a fait comme un bourrin. Il a mis Sash Random, poser des cailloux. Avant, il n'y avait pas ces rochers là. C'était tout plat, c'était juste des collines. Putain. Ça se voit, de toute façon, vu le bordel que c'est pour. Putain, mais comme je tourne en rond, mais c'est pas possible ça. Oh putain, je prends un risque inutile. Mais alors vraiment, mais inutile de chez inutile quoi. Hop. C'est bon. Allez. On va prendre une arme. Ouais, la map. Bah la map est déjà immense en fait si vous regardez. Mais par contre la map exploitable, donc là où il y a des ressources, elle est tout petite quoi. Elle s'arrête là. Par contre là-bas derrière ces montagnes. Bah pour ceux qui ont vu hier qui étaient là sur le stream, vous avez vu aussi. C'est immense hein, derrière. Mais bon, c'est tout pareil, donc bon, la carte, heureusement, ils vont la refaire. Putain, vous avez vu là comme c'est presque détruit. Et dedans, ils ont mis déjà des portes en métal. J'ai peur que. On va voir. J'ai peur qu'ils aient mis des portes en métal de partout. On va bien voir. Alors, hop, hop, hop. Comme ceci. On se fait. Enfin, on se prend l'escalier. Comme ça, ouais. Là, ouais, non, il faut un autre étage. Ok, j'ai bien fait d'en prendre plus. Pilar 4. Ça va être chaud hein, parce que si je tombe, je meurs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, hein, une intuition. Je pense que je vais mourir, mais c'est pas grave, j'aurai une deuxième chance. Tac, 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 tac. On se fait un escalier. C'est du hors map. Ouais, après, c'est du hors map, donc il n'y a plus rien. Faudrait qu'on se fasse des games ensemble, ça serait pas mal à l'ancienne. Ouais, à la nouille, bah de toute façon, j'ai un serveur, donc tous ceux qui sont sur le stream pourra se rejoindre pour jouer ensemble, y a pas de soucis. Là, ça devrait passer. Je sais pas pourquoi. Pourquoi les mecs, ils ont mis là. C'est des portes en bois, ok, bah faut y aller. Hein. Faut bien que j'y aille. Hein. Putain, c'est chaud. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein, je vous le dis. Putain, là, putain, ça va être chaud. Fais-toi un lit. Putain, c'est une bonne idée. Ouais, mais j'en ai pas, donc... Non, mais j'y crois. Putain, c'est chaud quand même. Est-ce que je... Putain, c'est chaud. Bon, faut bien y aller, de toute façon. Hein. Pire. Oh, je le sens mal. Oh putain! Putain, j'ai sauté sur le toit! Non! Mais non! Oh putain, j'ai sauté trop haut carrément, je me voyais vraiment pas aller jusque là. Bon bah maintenant. Voilà, on va remonter. On va essayer de sauter un peu moins loin. Non! Oh!
C'est bon ça? Bah voilà, très bien, c'est le poteau qui me retient. Oh, ça annonce des bons trucs. On va pouvoir faire des choses comme ça, ça veut dire on pourra sauter par les fenêtres, genre en mode pompier. Bon, bah, je retente direct. Bon, allez, j'y vais comme ça en mode One Again Beast to Fly. Allez. Ça va être chaud. Je vous le dis, ça va être chaud. On va manger un peu. Ça va pas être si simple que ça. Je suis en train de réfléchir comment je pourrais me démerder. Alors, qu'est-ce que vous dites? Saute sur le truc que t'as mis. Après, c'est easy. Bah non. Parce que justement, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais... C'est chaud quand même, là. Ah, c'est chaud. À chaque fois, je vais me péter la jambe comme ça. Ça va être chaud, en fait. Comment je vais pouvoir faire, sinon? Sinon, ils veulent pas sortir. Je les tue, je rentre chez eux et je prends tout. Voilà. Ça serait plus sympa. Ça va, j'en ai pris encore deux. Allez, on va y arriver à force. Persévérance. Ah, mais il y a des portes en métal dedans. J'espère que j'aurai accès quand même à 2-3 trucs. Ah ouais, ils ont mis des portes en métal de partout, quoi. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Si je reviens demain, je sais que leurs murs seront détruits. Je peux pas rapprocher les marches. Non, non, non. Speak pix. Je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est... Putain, je réfléchis, là. Comment je pourrais... me démerder. Ouais, le seul moyen, c'est de sauter, hein, de toute façon. Et d'essayer d'entrer en me baissant quand je suis en l'air. Je vais ranger les armes. Voilà. Je sais pas, ça change sûrement rien, mais... Normalement, ouais, peut-être que je... Bah si, en fait, je sprint assez parce que j'arrive à passer au-dessus. Mais voilà, le problème, c'est ça. En fait, il faudrait que là, je passe de côté, peut-être. Oh putain, il veut pas y aller, hein. Il a pas envie. Non. Il a pas envie, quoi. Ouais, sinon le haut du pilier, j'y vais, hein. Je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Mais je vais pas avoir assez, peut-être. Ah, chaud, on va voir. Oh, j'ai une idée, sinon. J'ai une idée, très bien. Peut-être que je sais comment je vais pouvoir faire. En tout cas, je meurs pas, c'est déjà pas mal. Non, le haut du pilier, on peut pas y aller, ça sert à rien. Par contre, on peut mettre des piliers, aller sur les piliers. Ouais, mais non, mais même des piliers, on pourra pas sauter, ça fait trop loin, j'ai déjà essayé. Putain, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. À moins que je passe par là, carrément. Limite, franchement, non. Par là. J'y crois, là. Oh putain, j'étais pas loin, quoi. Allez, je réessaye. Je réessaye, mais en partant de... Non, le problème, c'est qu'ils ont mis le poteau au milieu. Sans le vouloir, ça m'embête. Je vais essayer de passer par là, allez. Oh putain, j'y suis arrivé. Ouh, allez. On est dedans, maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Eh ben voilà. Ça fait déjà du stuff radiation. Très bien. Voilà, alors... monte tout en haut sur ta rampe, saute vers le bas comme si tu voulais retourner en bas et en l'air tu vas faire la fenêtre. Désolé, je sais pas si t'as compris. Mais bon, de toute façon, je suis dedans. S'il y a moyen de mettre un ceiling, non. Ouais, c'est ce que je voulais faire après, mettre un ceiling. Mais du coup, même pas besoin. On a un peu de stuff là. On va récupérer ce qui est en cuir. Ça, c'est toujours intéressant. Et il y a une porte en métal. Mais. Ah, yes. Ben voilà, pourquoi ils ont laissé du. Ils auraient pas dû. Non, c'est pas bien de laisser tout ce farm là. C'est trop gentil. Et ben voilà les gars, mais vous êtes trop sympa en fait. Ah, ça c'est cool ça. Encore plein de farms. Et bah ben, que demande le peuple, il y a même du métal. Putain, mais je crois qu'ils avaient tout mis là en fait. Hein. Oh, comment je vais faire? J'ai trop de trucs là. Ça en prend, bah du coup on va jeter... Bon, on va jeter le pantalon. Ah non, on va faire ça.
prendre ça. On va prendre ça. Merci hein, pour vos GG. Ensuite. Bon, bah, ça on peut y jeter. Ça on récupère ça, c'est pas mal ça. Charbon, on s'en fout avec tout le bois que j'ai. Je vais en avoir du charbon. Ça on va y manger tout de suite. Ça on prend, on rajoute, là on stack. Bah voilà, on est bien. On est plutôt bien. Il y avait encore du stuff là ou pas? Non, il n'y avait pas l'air d'avoir de plus de stuff. Là j'ai bien tout fouillé correctement, ouais. Et ben voilà. Maintenant on sort. Alors j'espère que ça va pas me tuer cette fois. Ouf, ça m'a fait plus mal. Voilà. Et bah c'est très bien ça. Et bah ça en fait du stuff hein, dans la soirée. Sincèrement. Hop. On va ramener tout ça à mes petits coffres. Impeccable. Bon bah les mecs, hein, ils avaient laissé leur fenêtre ouverte en haut. Dommage pour eux. On a réussi à rentrer. Ça aurait été difficile, mais on a réussi. Ta stone. Qu'est-ce que j'ai fait de ma stone? Ah tiens, j'ai laissé un trou là. Bon, tant pis. Ouais, c'est pas grave, j'y retourne pas, hein. Trop compliqué. Trop compliqué. On va juste aller récupérer ce qui est important. Non, comment on va faire? Bah non, de toute façon, pas de maison. What time is it? Ah, oh, j'avais dit 23h. 23h13, c'est pas bien, je respecte pas les heures. Pourquoi je me casse toujours mes jambes? Pourquoi? Allez, reviens à ma jambe, s'il te plaît. Ils vont maudire les tutos Millennium, c'est ça. Bah, en même temps, faut pas écouter tout et n'importe quoi non plus, hein. Ouais, parce que sur Millennium, ils disent ah, vous pouvez pas rentrer si vous mettez un contour de fondation avec un pilier au milieu, mais c'est totalement faux. Bah là, voilà, je l'ai prouvé là en vidéo. Je l'ai totalement prouvé, il faut mettre deux de long. Mais bon, quand on parle de choses et qu'on a joué 15 minutes au jeu, bah forcément, hein, il y a des erreurs hein, qui arrivent. Et quand on plagie quelqu'un aussi. Enfin bref, ce n'est pas un. Non, non, ce n'est pas du tout un coup de gueule. Allez, cours, s'il te plaît. Merci. Hop. Alors toi, c'est celui que j'ai pillé tout à l'heure, donc je suis. Je suis plus vers là, ici, et après sur la gauche. Aïe. C'est bon. J'en aurais eu marre. Hein. Faut mettre deux ou trois, ouais. Bah deux c'est bon. Après, si tu veux faire le top du top of the top, tu mets trois, t'es sûr, comme ça t'es tranquille. Mais bon, après, du coup, t'as plus de fondation que de maison. Mais bon, faut ce qu'il faut, hein. Je pense qu'ils vont surtout même pas se rendre compte qu'ils ont été volés. Ils vont croire que c'est l'un d'eux. Ils vont dire ah, enfoiré, tu m'as pris le stuff et tout. Parce que là, il y a du bois et tout, tout ce qu'il faut pour faire une maison. Enfin, on est bien. Moi, c'est dégueulasse hein, ce que j'ai fait, mais bon. Donc là, putain, il y a du stuff de partout, du coup. Oh, du stuff de partout. J'ai trop de stuff, en fait. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Bah, moi, je vais juste me cacher là, hein, je pense. Je vais me déconnecter là, tout simplement. Et on va espérer de ne pas mourir. Je vois pas d'autres solutions. Je ne vois pas d'autres solutions. De toute façon, j'ai trop de stuff. Faudrait que je fasse une baraque, mais je n'ai pas le temps ce soir. Donc j'espère que personne sait sur quel serveur je suis sur le stream, parce que sinon vous allez tout bien piquer, bande de voleurs. Et voilà. Donc bah, je vais arrêter là pour ce soir, comme je vous disais. Demain, on reprendra Rust à ce niveau-là avec en duo sûrement. Avec Snake, pour ceux qui ont vu, c'était la personne qui était avec moi hier, admin. On fera de ce serveur, on fera notre baraque et tout ça, un peu correct, un truc assez propre. Et ensuite, on passera sur le serveur, sur mon serveur, et on fera sûrement, enfin, si j'ai le temps, on essaiera de faire une arène ou un truc comme ça, un peu sympa. Part sur une base en métal, oui, trop cool, mais le souci, c'est que j'ai récupéré, ouais, voilà, j'ai ça en métal, mais je ne sais pas faire le reste. Voilà, même si j'ai beaucoup de métal, je ne sais pas faire le reste. En plus, j'ai pas assez de métal. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous invite à mettre un j'aime sur ma Facebook. Comme ça, vous pourrez suivre quand je sors un stream. Vous abonner à mon Twitter, à YouTube.
À Twitch, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Merci à ceux qui sont abonnés dans la soirée d'ailleurs. Et bah, si vous êtes le top of the top des viewers, n'hésitez pas à faire un don. C'est toujours cool parce que je fonctionne par système de don et pas par système de pub, car je n'aime pas la pub. C'est de l'argent que je. Enfin, la pub, ça impose que vous payez sans vouloir, sans savoir, vous payez en regardant une pub. Que le don, c'est bah, c'est un don. C'est voilà, vous m'avez compris. Enfin bon, allez, ciao à tous et merci d'avoir suivi le stream jusqu'au bout. On se retrouve demain à 21h. Allez, ciao. Faut pas que je fasse de conneries là. Attention, on arrête ça correctement. Hop. Ça sera disponible en rediffusion, hein, bien sûr. Hein. Allez, ciao.